à faire ici? Le circuit 38 désactivé, monsieur. Réactivé. Du calme, l'estomac. Ça arrive tout de suite. Fini la rigolade. Maintenant, au boulot. Ah, merci pour la balade, petit gars. Salut. Sonic, mais quelle bonne et heureuse surprise! Double surprise! Moi et un sandwich aux chevilles! Oh, c'est très gentil de ta part, Sonic! Excellent! Et tant mieux! Et ce train citerne, il y a du nouveau? Oui, j'ai réussi à copier tous les plans! Bravo, oncle Jules! C'est ce que Princesse Sally attendait! Tu connais les horaires? Ben non, pas encore. Et j'ai peur que ça prenne un peu de temps. La fouine a failli me surprendre aujourd'hui. Il faut que tu files d'ici, oncle Jules. Et si tu revenais à Unisson? Il n'en est pas question. Ce que j'ai à faire ici est trop important. D'accord, mais là, ça commence à sentir le brûlé. Certes, c'est un risque, mais il faut le prendre. La voie est libre. Le plus urgent est que tu apportes cette disquette à Sally. Et dès que j'aurai les horaires, je te les communiquerai. Sois prudent, oncle Jules. N'aie crainte. Les machines de l'apocalypse seront prêtes pour les essais d'ici demain midi. Tu es dans les temps pour la livraison de Capron. J'ai même un peu d'avance, monsieur. La fouine, ça fait combien de temps, un peu? Trois minutes, monsieur. Oh, mais tu te surpasses, la fouine. Qu'est-ce que je deviendrais si tu n'étais pas là, hein? À quelle heure part le traciterne? Demain à l'aube, monsieur. C'est parfait. Et dès qu'on est aimanté, on injecte de l'eau dans les tuyaux prévus pour les essais du carburant. Des questions? Oui, oui, moi j'ai une question à poser. Oui. Vous êtes l'essence même de la beauté aujourd'hui, ma princesse. On t'a dit une question, Antoine, pas une tirade. Reste avec nous deux minutes pour une fois. Oh, oh mon Dieu, quelle horreur, mes beaux cheveux blonds. Viens ici, mon joli. Alors, quoi de neuf? Ça y est, les amis, le convoi de wagons-citernes partira demain matin. À l'aube. Je serai prêt à tous les sacrifices de la terre. Et bon sang, mais c'est encore ce maudit hérisson. Mais qu'est-ce qui se passe, fouine? Le hérisson, monsieur, toutes les unités sont à ses trousses. Donne-moi des nouvelles du convoi. Je transmets, monsieur. La fouine, où sont les autres gardes? Ils poursuivent le hérisson, monsieur. Monsieur la fouine, tu ne vois pas, c'est une diversion. Appelle les gardes et ordonne l'arrêt immédiat du convoi. De mes mentions. C'est le feu. Retire la station. Hé, hey, vous me prenez pour qui? Je suis la priorité numéro un, oui ou non? Oh, Sally. Quatre
grosse reine. Mais comment compter la fouine? On dirait qu'ils connaissent le moindre de mes mouvements. On dirait? Ils ont certainement envoyé un espion. Sans blague! Attends, ce n'est que je n'ai pas tout raconté. Et des robots sur ma gauche, des robots sur ma droite. Mais est-ce que j'allais avoir peur? Non, et deux fois non, car guidé par mon seul courage, je délivrais ma princesse de l'appel des ténèbres. Tu as raison, Antoine. Il faut toujours rêver un peu. Quoi? Tu ne crois pas à mon histoire? Pas une seconde. Oh, Antoine! Bonjour, ma princesse. Antoine, tu as été très courageux aujourd'hui. Oui, je sais, mais pour vous, ma princesse, je déplacerai, des monticules. En fait, je voulais juste te remercier de m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est magnifique. Je crois que je vais m'évanouir. Moi, si ça continue, je vais craquer. La fouine! Non, c'est vous, monsieur, justement, je... Tais-toi, la fouine. Non. Maintenant, tu peux parler. Merci beaucoup, monsieur. La fouine! Un espion s'est introduit parmi nous. Passe-moi le quartier général au scanner et ça saute. Tout de suite. Je vais identifier cet espion. Retard, on va devoir attendre encore combien de temps? Et j'ai presque fini. C'est bon, vous êtes prête? Ça doit faire quelques lustres que nous sommes prêtes, mon petit chou. Voici la bête. Oh, c'est merveilleux! Mais Retard, où est-ce que tu as déniché ça? Dans la grande inconnue. J'ai simplement transformé les moteurs pour que ça marche. Ah, mais ce n'est pas tout, j'ai une autre surprise. Ce n'est pas vrai, tu l'as terminé? Il fonctionne? Je n'ai pas encore eu le temps de le tester, mais on pourra le faire ensemble. Tenez, ça devrait vous plaire, ça aussi. Oh, ce ne serait pas un de ces transcodeurs de sécurité de Robotnik, par hasard? Exact, ce qui veut dire... que nous pouvons aller n'importe où. Nous avons trouvé quelque chose, monsieur. Non, j'avais raison. Voulez-vous que je le détruise, monsieur? Non, la fouine. Je reconnais bien là ta simplicité d'esprit. Je ne comprends pas, monsieur. Je sais. Vois-tu, le virus va se dérégler. Et l'espion va venir ici pour nous remplacer. Et à ce moment-là... Non. Le virus n'agit plus, il faut le remplacer. Super, je commençais aussi à avoir des fourmis dans les jambes. Où est-ce qu'on va? Dans les entrepôts de Robotnik. L'idée d'utiliser un de ces virus pour l'espionner me plaît assez, je dois dire. C'est ici. Nicole, téléchargez les plans. Téléchargement. Nicole, nous avons reçu les plans. Alors dépêchons-nous de partir, ma chérie. Je n'ai pas l'intention de passer mes vacances ici. Attends une seconde. Très intéressant. Ce sont les dossiers sur les opérations quotidiennes de Robotnik. Nicole, pouvez-vous nous trouver le code d'accès du dossier top secret? Déchiffrage en cours. Oh mon Dieu, il a capturé le virus d'oncle Jules. Attends, je n'ai pas encore terminé mon histoire. Et soudain, lorsque j'ai vu ma princesse qui courait de terribles dangers, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai bondi comme un fauve. Oh, mes cheveux.
Robotnik pour ça, oncle Jules, prévenons-le. Non, 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 moi, Antoine, le plus courageux d'entre tous, le plus jeune, le plus beau, le plus séduisant des princes vaillants, j'irai prévenir oncle Jules. En avant, à gauche et à droite. En avant, à gauche et à droite? C'est ça, exécution, même si tu ne comprends pas. Non! Oh là là! Mais bon sang, dépêche-toi, Antoine, que je te fais mon gringue! Tu as vu oncle Jules? Eh bien, écoute, pour tout te dire, non, oncle Jules a disparu dans la nature, même s'il faut que tu ailles à la décharge d'ordures. Moi, je me charge de trouver oncle Jules. Je te trouve bien sûr de toi. Quoi? Tu mets en doute mon chevaleresque courage? Évidemment. Oh, voilà ce que je dis, moi, et même deux fois. Bonjour. Priorité numéro 1, le hérisson. Au revoir. Alerte au hérisson, alerte au hérisson. Mais je suis fou, je risque de me faire capturer. Non, non, il faut que j'y aille. Ma princesse risquerait de penser que je suis un lâche. Oh, non, on ne sait jamais, on pourrait m'attraper. Oh là là, quelle horreur, et peut-être me torturer, oh, ou même tout simplement me faire du mal. Oh. Ah. C'est donc toi le stupide espion qui voulait déjouer les projets de mon grand maître. Antoine, écuyer entraîné dans la province d'Armand. Malgré tout, cet Antoine doit bien avoir un point faible. Mais voilà une bonne nouvelle. Maintenant, je vais pouvoir le réduire en bouillie. Non, tout va bien. Garde ton calme, Antoine. Hein. N'oublie pas que tu es le plus courageux d'entre tous. Oui, très détendu, des nerfs en acier trempé. Oh, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Oh. Ça vous ennuierait de cesser de fredonner cet air sinistre? Maintenant, je vais faire des crêpes Suzette. Vous êtes complètement fou, vous avez vu tout le beurre que vous avez mis? Non, 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 les crêpes Suzette doivent être fines et délicates. Je sais, Antoine. Non, non. Que se passe-t-il? Ça tourne mal. Antoine a été fait prisonnier. Oh, mais c'est pas un problème, ça. Mais si froussard comme il est, il va parler. Arrêtez, arrêtez. Je vous en supplie, c'est trop cruel. Arrêtez. Oh, non, non, non. Un peu de courage, le diable. Alors, tu es décidé à parler? Oui, non, 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 ah, j'oubliais, je ne peux pas décevoir ma princesse, non, je ne parlerai jamais. Dans ce cas, tu m'obliges à cuisiner des escargots. Hein? Des escargots? Non, mais vous êtes fous, c'est beaucoup trop sophistiqué pour vous, ça. Ça demande une préparation très particulière, espèce d'assassin. Je sais, Antoine, je sais. D'abord, il faut de gros escargots, bien dodus et baveux à souhait. Oui. Un peu d'ail, juste ce qu'il faut. Ah. Ah oui, c'est cela. Et pour finir... Du beurre, oui, du beurre. De la margarine. De la margarine. De la margarine. Vous voulez cuisiner des escargots avec de la margarine? Non, impossible, je ne peux pas laisser faire une chose pareille, c'est trop cruel. Non, bon, d'accord, arrêtez le massacre. Je me rends, je vous jure de dire toute la vérité. C'est toi, Antoine. Quant à toi, la fouine, le hérisson, service d'or.
les escargots, il faut sauver les escargots. Mais tu es complètement inconscient, ce n'est qu'il faut intervenir, on ne cuisine pas des escargots avec de la margarine. Je constate qu'ils ont trouvé son point faible. S'il n'en avait qu'un, je l'emmène à la décharge. Je te retrouve ici plus tard. Oh, pauvre petite bête. Mais... Voyons. Avec de la margarine. C'est affreux. Mais que lui est-il arrivé? Je te dirai ça plus tard. Pour l'instant, je dois retrouver oncle Jules. Non. Tutti, ramène Antoine à Unisson. Non, j'en ai assez. C'est un criminel. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il fait subir aux escargots. Silence, on doit entendre une mouche voler pendant le décollage. Nous avons intercepté le message de robotique au sujet du virus. Est-ce que l'oncle Jules a réussi à leur échapper? Jusqu'à présent, oui. Mais je ne veux pas qu'il reste là-bas. Il faut que je filme. Linfouine, cette erreur va te coûter cher. Mais monsieur, je viens te capturer. Ton cerveau dégénéré. Alors c'est vous. Oui, monsieur. L'espion, en fait, c'est lui. Je ne vous serai utile en rien, Robotnik. Je ne parlerai jamais. Cela m'étonnerait beaucoup, monsieur. J'ai à ma disposition de redoutables appareils. Oh non. Oh. À nous deux, Robotnik. Et alors, qu'en pensez-vous, cher ami? Je ne suis pas votre ami, grosse brute. Vous me traitez de grosse brute. Il va falloir que je rectifie votre comportement. Robotnik est le maître suprême. Robotnik est le maître suprême. Et... le maître suprême. Le maître bon. Suprême. Ceux qui me cherchent vont me trouver. Alors, cher monsieur, dites-moi où se trouve Unisson. Voyons. Unisson, je suis du village. Attrapez-le, Unisson. Maintenant, partons d'ici. Quand tu veux, oncle Jules. Non, je le déteste. Je le déteste, ce maudit hérisson. Oncle Jules, il faut que je retourne à Unisson. Ta plaque est inutilisable. J'avais déjà prévu cette éventualité. Soyez bienvenue dans mon nouveau chez-moi. Oh. Vous m'excuserez, je n'ai pas encore eu le temps de le décorer. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, Robotnik peut te reconnaître. Oui, je sais, je vous prie de m'excuser. Et alors, quand il a une idée en tête, il n'y a rien à faire. Il est hors de question qu'il reste ici. Il faut le faire revenir à plus de sagesse. Allez, priorité numéro un, le hérisson. Ah, si seulement vous pouviez voir la tête que vous faites. Oh, oncle Jules, tu m'as fait une de ces peurs. Alors là, bravo, oncle Jules. Tu nous as piégés comme des débutants. Mais je tiens quand même à ce que tu reviennes à Unisson. Tu auras largement de quoi t'occuper là-bas. Lorsque nous aurons vaincu Robotnik, nous nous retrouverons tous. Mais d'ici là, ma place est ici et nulle part ailleurs. Maintenant, dépêchez-vous de rentrer à Unisson. J'ai beaucoup de travail devant moi. Au revoir, oncle Jules. Au revoir, les filles. Fais attention à toi, oncle Jules. Bonne chance pour tout. À très bientôt, Sonic. Et prenez bien soin de lui. Tu peux compter sur nous. Au revoir.